compétition avec un garçon qui a eu des problèmes de blessure, Fabrice Gelzec, élégant gymnaste de Nantes. Belle entrée, double avant, amené du saut de main. Voilà, nouvelle série avant, salto tendu, salto tendu, salto tendu plus vrille. Bien, 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 Gelzec. Il a connu un mauvais passage l'année dernière. Il est un gymnaste très fin, mais aussi très vulnérable parce que bien les tendons, de temps en temps, ça lâche comme dans d'autres disciplines. Mais en gymnastique, c'est long à revenir. Et Gelzec, qui a été l'un des tout meilleurs gymnastes il y a 4-5 ans, eh bien revient. Champion de France en 92. Il s'est blessé aux épaules depuis, mais il a conservé ses points forts qui sont particulièrement justement ce que l'on voit ici, le sol et le saut que l'on verra demain. Et c'est le fils de son père, digne fils de son père, Georges Gelzec, qui a été champion lui aussi dans les années 60 et qui est maintenant arbitre international et qui fait partie de la commission